Bonjour à tous, c'est Mangaman19 et on se retrouve pour un nouvel épisode de Watch Dogs, le numéro 8, si je dis pas de bêtises. Dans l'épisode dernier, dans le dernier épisode, nous avons découvert que notre ancien coéquipier a... Racine, où est-ce que c'est ? Voilà, Robert Racine. A kidnappé notre sœur et a tenté de kidnapper notre neveu. Et nous devons découvrir aller chez Monsieur Racine pour arranger plus ou moins toute cette affaire. Wouhou ! Oh 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 ! Bon. Tu montes. Et... Je dois être pas trop loin, ça va. Et ça fait deux fois. Bon, je me prends encore un mur et puis bah, je pense que ça va faire mal. Surtout pas moto. C'est bon, tu peux encore fonctionner, moto? Ok, c'est bien ce que je me disais. Sors de là. Oh! Attends. Il n'y a pas loin à faire en plus, hein. Pas. Attention, fragile. Comme le derrière? Damien a engagé quelqu'un d'ici. Je commence par le proprio, Robert Racine. Après, je passe aux employés. Il faut que je reste calme. Ouais, parce que c'est pour faire toute la mission, gars. Trouve le code d'accès du bureau de Racine. Reconnu coupable d'agression et voie de fait. Oh bordel, c'est pas vrai! Quel con. Regarde souvent, il y a des commentaires. Peuple des renforts, ok, lui est dangereux. On met le gros là-bas. Je vois que dalle. Va chercher là-bas. Oula. Je vais voir là-bas. Hé, baissez-vous ! Y'a rien ici. Je vais voir là-bas. J'ai rien vu. J'ai rien vu. Continue. Oh. Voilà. Y'a rien. Je vais chercher là-bas. Le
Dites à ma femme, dites-lui que je me tapais sa sœur. Allez. Bon oui. J'ai rien vu. Je continue. Ah. Bonjour, je veux faire chier mon monde. Wow. Attention. Attends, tu crois vraiment que tu peux me battre? Honnêtement, oui. On l'a dans le cul. Putain, t'es foutu. Ok, d'accord. C'est absolument, mais absolument pas voulu. Ça partait bien, et puis bah, il arrivait. Bon. On refait pas sur la même chose. Ouais, j'ai pas eu le temps. Sollicite des services de prostituées. Oh. Continue. Lui, papier des renforts. Oui, il y a quelqu'un. Après des mois de physio, le verdict est tombé. Le médecin dit que je récupérerai jamais ma jambe. Je devrais porter un appareil orthopédique toute ma vie. Je finirai en chaise roulante. Le père t'est pas dû. Les enculés m'ont rendu un infirme. Voilà, oui, oui. Immigré clandestin. Voilà. Alors, ils sont tous à l'intérieur. Bon bah, ça facilite les choses. Il y a juste le mastoc. C'est intéressant.
L'ordinateur. Je peux m'en servir pour pirater les caméras. Bonjour. Salut, Robert. Comment tu vas? T'es en train de me douper, là? Je te l'ai filé, la mère Pierce. La femme, oui. Mais j'avais dit, pas le gosse. Tu croyais quoi, que j'allais te payer plus? Tout ce que t'as fait, c'est compliquer les choses. Il y a un mec qui me suit. C'est toi qui me l'envoie? Non, j'ai envoyé personne. Mais j'aurais peut-être dû te prévenir au sujet d'Aiden. Tu dois m'aider, mec, ou sinon je lui dis tout ce que je sais. C'est exactement pour ça que tu sais rien du tout. Il va pas être content quand il va s'en rendre compte. Putain, merde, je fais quoi? Tu te démerdes, mon pote. Bonne chance. Fils de pute, tu vas pas t'en tirer comme ça. Comment ça compte? Wow. Allez, saute. Saute. Petit. Oh, ok, déjà mort ça. Et bon, oui. On fait dedans, maintenant. Run. On s'en va. Où je vais? On s'en fout, y va. Je vais lui montrer, moi. Ja. Bon. Bonjour. Au revoir. Oh. Fait. On va le secouer un peu. Voilà. Mais il y a une pute, une motherfucking voiture qui s'est mis à ce moment-là. Et encore deux. Ça va? Ça marchera pas ici. Allez, on lui rentre dans le cul. Non, ça n'a pas marché. Faut que je trouve des. Oh! Putain, ma caisse est ruinée! Wouhou! Ils m'ont perdu de vue, ils m'ont perdu de vue, la 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 la. C'est bon, lâche l'affaire, j'ai autre chose à foutre moi. Oui, je confirme. Joue pas au con avec moi, Aiden. J'ai pas été clair. Si jamais tu touches à Jackson. Ah, ça. Un de mes employés a voulu en faire trop. T'inquiète, ton neveu m'intéresse pas. Mais si tu déconnes encore une fois. Ferme-la, je veux parler à Nikki. Attends un peu. Tu crois que tu peux me demander des trucs? Tu lui parleras quand tu me donneras quelque chose d'utile. Suis cette adresse IP et on se reparle. Là, tu fais juste perdre mon temps. Mission accomplie.
1. Ah, la réputation, j'ai appris à quoi elle servait. Il sait parfaitement comment je réagis. Ça doit faire un bout de temps qu'il organise tout ça. Mais il faut toujours qu'il aille trop loin. Il fera du mal à Nikki s'il obtient pas ce qu'il veut. Ok, pour l'instant, je vais jouer son sale jeu. Je vais suivre son adresse IP. Mais je trouverai un moyen de me le faire. Voilà, donc j'ai réussi à le faire taire. Donc, cette jauge de bien de mal, elle sert en fait à si que, par exemple, les policiers vous veulent du mal, bah, les passants peuvent vous aider. Par contre, pour le mal, j'en sais rien. Je pense plutôt à des gangs. Donc, ce qui est assez avantageux. Mais, apparemment, quand j'étais en train de jouer en off, les gens peuvent connaître votre identité, je crois bien. Monsieur Rochemin s'est engagé à résoudre les perturbations des services. Il accuse directement les pirates informatiques d'Otrek d'avoir empoisonné le quotidien des citoyens. Le maire promet qu'il traînera ses dirigeants devant la justice. Damien et son égo. Il veut cette victoire. Alors je lui laisse. Je vais retrouver le deuxième hacker et il va libérer Nikki. Enfin, je crois. Pour l'instant, j'ai pas d'autre alternative. Alors en général, pour les criminels, c'est bon. Des gens seuls. Il est dans le coin. Reste plus qu'à le trouver. Ils sont seuls dans un coin. Tant que je n'ai pas localisé, c'est bon. Enfin, je veux dire, il y a peu de chances de m'échapper. Alors. Hop, t'es que je vais te descendre. Potentiel. Voilà, c'est plus simple. Ah, putain, mon cerveau. Et bam, bam. Oh mon Dieu, merci. Et voilà. Donc ceci va augmenter. Damien et son ego. Il veut cette victoire. Ma jauge de réputation. Je vais retrouver le deuxième acteur et il va libérer Nikki. Ah, tu te répètes, Gat. Tu te répètes un peu. Non. Pour l'instant, j'ai pas d'autre alternative. Ah, distributeur, allez. À boule l'algien. Ah, attendez. Ouais, alors. J'ai pas vu l'argent, tant pis. C'est pas l'heure, on commence au début du jeu. Mais oui. D'ailleurs, le petit V peut me confirmer. Alors. Collatéral. Oh, collatéral. Et oh. Collatéral. Quel enfoiré. Saloperie d'affaire merde. Ok, Damien. On va voir si ta merde est quelque part. Voilà. Et merde. C'est moi. Tu m'as demandé de venir. Désolé. Je suis un peu tendu, là. Ouais. Viens là, regarde ça. C'est qui, elle? Aucune idée. Le fichier est corrompu.
sais comment lire cette vidéo, toi? Non, c'est irrécupérable. Il te faut l'original. Je lance une recherche avec ton accès au site iOS. Ouais, justement, je voulais t'en parler. Tu vois, je crois pas qu'il soit au courant. Il en aurait parlé, je le connais. Qui en aurait parlé? Elle, c'est peut-être une piste. Ou pas. Il me faut une longueur d'avance sur lui. Aiden, t'as des ennuis? Une adresse IP? Oui, il me l'a donnée. Tu peux trouver où elle mène? Je comprends rien, là. Aiden, réponds-moi. Je ferai rien tant que tu m'auras pas... Il l'a enlevé, Clara. Il utilise ma sœur pour me faire chanter. Oh mon Dieu. Le mec qu'on a tracé. Oui. Damien Brinks. Je peux rien pour toi. Je vais y aller. On se reparle plus tard, quand t'auras fini. Viens par là. Boing. Boum. Ok. Faut protéger Claire. Elle est où ta voiture? Boing. Ah. Bon, ok. J'ai fait trop l'idiot de 1. Et de 2. Pourquoi me passer la place de protection? Bon, bah voilà. Elle est où ta voiture? Par ici. Bon oui, petit. Merde. Voilà, la K est... Bon oui, petit. Aïe, ça pique. Mais quoi? D'accord. Elle est où ta voiture? Par ici. Par ici. Hop. Bon, oui. Boing. Aiden, l'enseigne du motel. Yep. Fuck. Voilà. Black Art. Merde. D'un coup gars, espèce d'idiot. Ça. Bon. Fuck. On a reçu votre message. Nous voilà. Ils arrivent par devant. Bon. Wing. Ah, il fait chier. Vas-y. Ça. À 3. 1. 2. Ah, il fait chier.
Pourquoi tu cries non, toi? Tu m'as fait peur. Jamais pour un moment. Wow. J'ai pas vu qu'elle avait une barre de vie, elle. Je sais pas ce que tu tires, mais... Dis-moi une petite place, s'il te plaît. Oh. Entre les deux yeux. Pourquoi? Ça va tuer de l'autre côté. J'ai besoin d'aide. Ok. Mais c'est qui ces mecs? Qu'est-ce qu'ils veulent? De moi. Les renforts sont là. Ils ont repéré ma recharge à la OP. Allez, réagis donc et file dessus là. Bien joué. N'y va. Go. Dans la voiture, je vais m'occuper d'eux. Parfait. Mais qu'est-ce que tu fous? Vas-y. Ils vont essayer de nous piéger. Fait. Oh, je confirme ça, quoi. N'y va. Bouge de là, toi aussi. Voilà. Lara, est-ce que ça va? Comment est-ce que tu veux que ça aille? Putain, mais t'es qui? Je sais pas comment t'expliquer. Je connais un endroit où on peut parler. Viens. Collatéral. Bah, il a bien fait. À la télé, il parle d'un incendie dans ton motel. Tu peux pas faire ton check-out comme tout le monde. Tu m'as déjà vu faire quelque chose comme tout le monde. Mais tu fais de l'humour. Ça fait longtemps que j'ai plus l'habitude. T'habitues pas. C'est pas prêt de se reproduire. J'ai plus accès à mon réseau, il me faut du matériel. Ah, ça, c'est pas mon problème. T'as pas voulu qu'on bosse en équipe, tu te débrouilles. Mais dépêche-toi, j'ai besoin de toi à 100%. Hé, ma belle, y'a ton frère qui veut te parler. Aiden, Jack, est-ce que mon fils va bien? Il est en sécurité. Où es-tu? Je sais pas, il fait froid. T'as 30 secondes, tu t'interromps. Voilà. J'avais les yeux bandés pendant tout le trajet. J'ai peur, Aiden. Je sais, mais t'inquiète, je vais te sortir de là. Écoute, je connais Damien. Ah. C'est pas un malade, il doit pas de mal. Mais sois prudente quand il est là. Comment ça, tu le connais? Il m'a kidnappé.
Il se sert de toi pour m'atteindre. Quoi? C'est fini. Bon, dis donc, qu'est-ce que tu lui as dit? Elle est en larmes, la pauvre fille. Damien, repasse-la-moi. Si tu veux continuer à discuter, tu suis l'adresse IP et tu m'apportes quelque chose d'utile. Salut. Vas-y, sors de là. Ok, elle est en vie. Pour l'instant. Elle est dans un endroit où il fait froid. En extérieur, peut-être. Si je lui demande plus d'infos, je pourrais peut-être la localiser. Allez, on y va, parce qu'on ne touche pas à la famille. Je préfère légèrement les voitures. Contre toute attente, Queen plaide la légitime défense et réussit à se faire écouter. Nous marquons une courte pause. À tout. Un pied dans la tombe. Merci. Ces types, c'était qui? Aucune idée. Ils ont dû repérer la recherche sur le site OS. C'est de ça que je voulais discuter. DedSec raconte que quelqu'un d'autre a les codes de piratage. Tu sais, ce que je t'ai donné. Non, non, attends. Je les ai donnés à personne, tu peux me croire. Il faut qu'on se fasse confiance. Écoute, j'ai pas vraiment le temps de te rassurer, Clara. Si tu me crois pas, j'y peux rien. Quelqu'un a mitraillé ma chambre de motel, ma sœur a disparu et j'ai aucune piste. Alors t'es pas ma priorité pour l'instant. Non, bien sûr que non. Je le sais, ça. Tu connais cet endroit ? Par par là, c'est censé être le premier site de test du site OS. On l'appelle le bunker. En tout cas, c'est ce que dit la légende urbaine. Le bunker? Avec accès à la ville entière? Un accès indétectable. J'ai fait des recherches pendant des mois. J'ai épluché le cadastre, quadrillé la ville et cherché tous les trucs cachés. Il y a une zone vierge sur toutes les cartes, juste là. Dans le coin. Et pour le motel, j'ai peur que t'aies perdu ta caution. Il faut qu'on le trouve. Faut que je trouve comment entrer dans le bunker. Un accès fantôme à toute la ville. Ça peut être utile. Ah. Pourquoi m'avoir montré ça?
Tobias Frouer. Bon, quelqu'un est allé sur l'île il n'y a pas très longtemps. Son nom, c'est Tobias Frouer. Bien sûr. C'était un des pionniers du CityOS, jusqu'à ce que Bloom décide de le virer. Ce mec, soit il est fou, soit il prend des trucs. Peut-être même les deux. On a essayé de le contacter, pour voir ce qu'il savait sur l'île, et il nous a sorti son fusil à pompe. Bon, si j'ai un fusil à pompe... Dans un campement de sans-abri. Il est SDF ? Il tient un magasin clandestin, surtout. Les gars de DedSec y vont quand ils ont besoin de matériel spécial. Mais laisse tomber. Dira rien, c'est un parano. Je suis du genre persuasif. Attends, je vais voir ce qu'il sait. Bon, je te laisse parler, d'accord ? Tu crois vraiment que cet endroit existe, n'est-ce pas ? Bien sûr qu'il existe. Alors tu crois vraiment au conte de fées ? Quand j'étais petite, papa m'emmenait camper à Mont-Tremblant. Il disait qu'on allait à la chasse au trésor. Évidemment, à l'époque, je comprenais pas, mais en fait, ils cambriolaient les chalets. Montre en or, bijoux. Je me rappelle de son sourire quand il volait quelque chose de spécial. Comme la fois où j'avais trouvé une pièce rouillée avec un empereur dessus. Il m'a dit que c'était une vieille pièce romaine. Inestimable. Mais il m'a dit de la garder. Que c'était ma clé pour un monde magique. L'Empire romain tout entier. À mon avis, je dois tenir ça de lui. L'amour des contes de fées. Eh ben, j'espère que ce bunker existe aussi. J'en suis sûr. La conduite de gaz a explosé. On ne déplore aucune victime. La police a ouvert une enquête et les autorités se félicitent de la réponse. Voilà. C'est ici que Tobias vend son matériel. Surtout des trucs de marché noir. Tu pourras y trouver des plans assez rares, si t'as de la chance. Il est pas là. Qu'est-ce qu'on fait ? Quelqu'un dans le coin sait comment le joindre. Je vais jeter un œil. Sympa la déco. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis en train de faire un poker là. Ah ouais, t'as des clients. Hé, hey, je suis fermé là. Ils jouent au poker. Je pourrais peut-être jouer avec eux. Un poker. Voyons voir où tu te caches. Ça y est, je te tiens. Parler de poker localisé. Hé, hey, c'est quoi ça ? Y'a quelqu'un d'autre qui trace l'appel. Ça doit être des fixeurs. Hé, hey, tu vas pas le croire ? J'ai trouvé l'autre là. Tobias, tu sais ? Je vais le chercher tout de suite. Oh, voilà. Fuck. Ils vont bientôt le trouver. Je dois les arrêter. Voiture ! Oh, mais je crois que c'est un muscle car. Je peux bourrer dedans le tas alors. Hein. Revenez ici! Bon, là, pas bien eu. Il lâche son véhicule. Coco. Ah non. Non. Hé, hey, tu vas pas le croire. J'ai trouvé l'autre là. Tobias, tu sais, je vais le chercher tout de suite. Bon, on y va, on y va, on y va. Je dois les arrêter.
Oula, pardon. On se retrouve sur l'île. Et puis Gnagnagnagnagna. Go, 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 Power Ranger. Et bam. Voilà. Merci. Ok, maintenant on va aller se faire un petit poker avec Tobias Fowler. Y a que lui qui peut me faire entrer sur l'île de Clara. Bonne idée. Au nord. Je trouve ça très agréable de rouler comme ça. Wesh. Mais qu'est-ce qu'il faisait sur le chemin, bordel? Ok? Hein? Illégal dans le coin. Grosse surprise. Tobias doit être l'un d'entre eux. Et on va jouer au poker. Ok. Je vais jouer avec vous.
Un 4 et un 5. Quatre et un 5. Bah j'ai rien donc. Misé. Hein. Qui t'es toi? Je te connais pas. Je le connais pas. Du calme. C'est toi Tobias? C'est pas tes oignons. Bon, je vais prendre ça pour un oui. Non, non, prends ça comme un, c'est pas tes oignons. Ah ah, les amis 5. Nous avons c'est une paire. Que Bloom t'a viré. Arrête-toi, Tobias. Mais qui t'envoie? Il détale vite. J'ai juste besoin d'un truc. Après, je te laisse filer. Non, pas moyen. Ils vont le savoir. Je suis pas avec eux. Pourquoi je devrais te croire? Parce que je pourrais te tuer et me servir. C'est pas une réponse, mec. Bon, écoute. Je bosse pas pour qui tu crois. Cette conversation restera entre nous. D'aller au bunker. Rien. Pas de courant, tu piges. C'est devenu un vrai cimetière. D'accord. C'est pas très grave. Maintenant que tu penses, c'était déjà comme ça, hein, un cimetière. Tous ceux qui se sont approchés de cette lumière, on a tous un pied dans la tombe. Mais ça va. C'est tranquille ici. Ah, je crois. Mais oui. Tobias, tu veux bien me donner la télécommande, s'il te plaît? C'est moi qui l'ai fabriquée, la télécommande. Oui. C'est ça mon truc, hein. Je bricole. Et c'est très bien. Allez, donne-la-moi. Oui, d'accord. Ça. Oh. Oh. Tiens, prends-la. Merci. Et c'est à lui. Elle est lourde, hein? Ouais, mais crois-moi, ça va devenir de plus en plus lourd. Hé, dis, si t'as besoin de quelque chose, n'importe quoi, viens me trouver. Parce que je bricole, moi. Ça marche. Comment se faire un ami? Magasin de Tobias. Acheter des outils artisanaux, prends pas. Trouver des articles spéciaux, brouillage, blackout, scan, etc. Un pied dans la tombe. Mission accomplie. Bon, on va se laisser sur ça. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire, de partager ou bien de vous abonner. Tchuss! Je pourrais très bien devenir aussi.